chez Kélia, 12 ans, et sa mère Marie-Laure. Dès le petit déjeuner, c'est système D. Dans ce bidon, de l'eau de pluie. Pour faire la vaisselle, Kélia n'ouvre jamais le robinet. Alors, dès qu'il pleut, c'est l'occasion de faire des réserves. Voilà. Saladier, bassine, vieux seau de peinture, tout est bon pour stocker l'eau. Cette eau, on l'utilise pour les WC, pour la vaisselle et pour faire le ménage du quotidien. La maison de Marie-Laure est très souvent privée d'eau courante, comme tout son quartier. Pour la douche, Marie-Laure envoie sa fille à la piscine. Bah, elle me dit qu'il faut te réveiller, il faut aller à la piscine, même si tu es fatiguée. Tu sais très bien qu'il n'y a pas d'eau, il faut aller te doucher. C'est un peu un arrangement, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Des fois, elle n'a pas envie d'y aller, elle est fatiguée, mais je l'oblige à y aller. Pourquoi ? Pour qu'elle puisse prendre une douche. Au moins, je sais que dans la journée, elle aurait été lavée. 7 heures, départ pour l'école. Cartable et bidon sous le bras. T'as ton téléphone ? Tu finis à quelle heure, Kélia ? On l'appelle l'île aux belles eaux. Elle dispose de cette ressource naturelle en abondance. Le problème, ce sont les canalisations. Le réseau d'eau potable est vétuste, mal entretenu depuis des années. Il y a des milliers de fuites. 60% de l'eau qui transite par ces tuyaux est perdue avant d'atteindre les habitations. Résultat, certains quartiers n'ont que très rarement accès à l'eau courante. D'autres subissent constamment des coupures. Toute la vie de l'île est bouleversée. Écoles fermées, économie perturbée. Les habitants en appellent aux élus de leur commune, qui ont en charge la gestion de l'eau. La crise du Covid a exacerbé leur colère. Manifestations, barrages routiers. Comment expliquer une telle situation dans un département français ? Comment les Guadeloupéens s'adaptent-ils ? Beaucoup sont à bout et l'affichent au bord des routes. Ils appellent au secours.